nous assistons à une croissance inquiétante de la résistance antimicrobienne pour les principales maladies que nous vivons tous les jours. Il s'agit entre autres du paludisme, du VIH-Sida, de la tuberculose, de la méningite, des maladies qui sont fréquentes dans pratiquement tous les pays de la région africaine. Et c'est là que nous assistons à cette résistance antimicrobienne. Les raisons sont diverses. J'en citerai par exemple la faible capacité des laboratoires dans nos pays en général à faire les tests de sensibilité. Il y a également cette prise de conscience insuffisante des professionnels de la santé qui devraient être au devant de la lutte, mais également des décideurs et du grand public. Parce que cette problématique concerne d'abord l'individu, mais également le public en général. Nous avons également ce facteur de circulation des médicaments douteux, que ce soit des médicaments utilisés dans la santé humaine que de la santé animale, autant de facteurs donc qui contribuent à cette croissance effrénée de la résistance antimicrobienne. Il s'agit donc de parvenir à sensibiliser les États, les décideurs, les professionnels de la santé, les associations professionnelles, afin que la résistance antimicrobienne soit un problème qui préoccupe tout le monde. Et l'OMS particulièrement va aider les pays à mettre en place des programmes et des structures nationales qui puissent permettre d'agir efficacement contre cette problématique. L'objectif global de ce plan, c'est de renforcer la capacité des pays à lutter efficacement contre la résistance antimicrobienne. Pour y parvenir, les pays devront obligatoirement mettre d'abord en place des points focaux en matière de lutte contre la résistance antimicrobienne. Ils devront ensuite travailler dans un cadre un peu plus large en mettant en place des plateformes nationales de coordination. Ça peut être des comités de pilotage. Bref, c'est un cadre de concertation multisectoriel. Et à partir de là maintenant, on peut passer à l'analyse de la situation dans le pays. Une fois qu'il y a analyse de la situation, on peut planifier. Et la planification, ça va être maintenant la priorisation des activités. Et avec ça, une fois qu'on aura planifié, identifié les activités, les responsables, on peut passer maintenant à la mise en œuvre. Avec la mise en œuvre, il faut aussi penser au suivi. Et au suivi qui est à la fin, effectivement, qui se termine par une évaluation. Une évaluation à mi-parcours d'abord et une évaluation finale. L'élaboration et l'adoption de ce plan d'action régional, notamment par les ministères de la Santé à l'Assemblée générale mondiale, permettra d'officialiser les choses. Permettra donc la mobilisation de ressources, ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, parce qu'il faut toutes ces ressources pour pouvoir mettre en œuvre la lutte contre la résistance aux antimicrobiens dans nos pays.